C'est parti pour cette première course. Alors, sollicité Majestic Moon, Bell's Apostle, He's Got Gears, Bell's Apostle, qui va diriger les opérations dans He's Got Gears, Majestic Moon, Mr. Vengeance, Valerine dans le dos de Mr. Vengeance, Enza Borrego reste en dehors. Ensuite, ça mène Blue Jeans. Valerine toque blanche de son jockey. À l'arrière, eh bien, il y a Vintage Angel avec Misty Roller. Seven Colors, les chevaux vont entamer la descente, environ 900 mètres à parcourir pour Bell's Apostle qui dirige les opérations donc devant He's Got Gears. Ensuite, on retrouve en troisième position il y a Majestic Moon. Enza Borrego va se rapprocher à son extérieur. Mr. Vengeance. Blue Jeans qui n'est pas mal, qui suit Enza Borrego. Misty Roller en dehors. Valerine à l'arrière. Seven Colors. Vintage Angel va déboîter maintenant à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir pour Bell's Apostle qui peut se montrer dangereux. He's Got Gears. Enza Borrego va très bien en troisième position à l'extérieur de Majestic Moon. Mr. Vengeance. Blue Jeans. Elle commence aussi sa descente avec Misty Roller un peu en difficulté. Vintage Angel contourne le peloton en pleine ligne droite à l'extérieur. Enza Borrego qui passe franchement maintenant à l'offensive. He's Got Gears. Blue Jeans va bien conclure lui aussi. Enza Borrego qui a fait le trou visiblement. Enza Borrego qui va se détacher pour l'emporter. La victoire du numéro 2, Enza Borrego devant He's Got Gears, Bell's Apostle.